Good morgen, Aleid, et je suis aujourd'hui le Nishmat, Avram Chaim Norbert, Ben Fortune Mazal, Rachamim, Ben Rosa et Yedida, Ben Esther. Si vous souhaitez aussi donner une prochaine étude de Mishnah à côté de 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Erchin, Perekhe, Mishnah Dalet. Haomer Erko Shalploni Alai, Met Hanoder, Veanidar, Itnu Ayurshin. Damav Shalploni Alai, Met Hanoder, Itnu Ayurshin. Met Hanidar, Lo Itnu Ayurshin, She'en Damion Ametim. Mishnah très simple. On connaît déjà toute sa notion de la Mishnah bête de notre chapitre. Et, succinctement, on continue à comparer la halakhot des Nedarim de Erech ou de Damim. C'est-à-dire, lorsque je fais le vœu de donner ma valeur, de donner la valeur de quelqu'un, il y a deux manières de prononcer le vœu, deux choses que l'on peut donner. Soit on peut donner le Erech fixé par la Torah, dans la paracha de Birkotai, la Torah l'explicité, chacun son Erech fixe, ou soit la Torah, elle peut imposer, si on a voulu faire le don de donner la valeur marchande, dans ce cas-là, on va s'intéresser au marché des esclaves. D'accord ? Le but de notre Mishnah va être de parler, de revenir sur, préciser une petite précision sur la halakha du cas où l'objet du vœu est mort avant estimation du Bet Din. Qui aurait une différence entre la Rachin et les Nedarim, comme on va expliquer. On commence d'abord par traduire tout de suite la première phrase « Omer Erko Shalploni Alai ». Celui qui dit que je fais le vœu de donner la valeur de Réhouven. Ou plutôt non, on va dire qu'il y a Réhouven, je vais parler de moi parce que je n'ai pas envie de mourir. Donc il y a Réhouven, il a fait le vœu de donner la valeur de Shimon. D'accord ? Et ensuite, Met Hanoder Ve'anidar. Celui qui a prononcé le vœu, donc Réhouven, Ve'anidar, l'objet Shimon, tous les deux sont morts avant d'avoir conclu le règlement. Eh bien, la Mishnah m'enseigne que « Itnu Ayurshin », les héritiers devront donner, parmi les biens que le père aura laissés, ils devront prendre là-bas, puisque le père il avait dit qu'il allait donner la valeur de Shimon. Shimon, c'était un gars, un bahour, un homme de 20 jusqu'à 60 ans. En l'occurrence, 50 pièces d'or. Le père, il a laissé des biens. On prend ces pièces, on va les amener au Beit HaMikdash pour régler le don du père. Précision importante du Barthénora, qui nous dit que « Vehu Shamat Bedin Kodem Shamet », on parle bien évidemment que Réhouven est parti, alors littéralement, il est parti au Beth Din avant de mourir. En réalité, le Barthénoir, en haut, il expliquait, en haut dans le Mishnah Beth, il expliquait que c'est pas vraiment Beth Din en fait, c'est Ve'emido Lifna Kohen. Il devra se trouver devant le Kohen. Le Kohen, quand il vient, c'est un statut de Beth Din, d'accord ? Il vient pas, il y a tout un. Dans Sanhérine, on avait appris ça. Comment est-ce qu'on fait les évaluations des Arachim ? Je crois qu'il y avait deux avis, est-ce qu'il faut 3 personnes ou 10 personnes ? En tout cas, c'est un statut de Beth Din, donc c'est ça ce qui est marqué, Hamad Beth Din. Très succinctement. Quand même, pour reprendre l'idée expliquée par le père de la loi, il s'avère qu'en réalité, lorsque je prononce que je vais donner le RR de quelqu'un, je suis concrètement pas encore imposé, comment dire, bien sûr que je suis imposé, que je suis obligé d'aller me faire régler, mais pour le moment, j'ai pas encore reçu, comment dire, j'ai pas encore reçu la facture du règlement. Il y a d'abord une étape au préalable à faire, c'est d'aller voir le Cohen et que le Cohen me dire oui, tu vas donner le RR, on va estimer. Et on parle de cette situation spécifiquement. Que je suis allé voir le Cohen, donc le Cohen va dire oui, très bien, tu vas donner. Dès lors, j'ai déjà l'obligation de payer, même si concrètement, le Cohen ne s'est pas encore intéressé à savoir combien, qui étaient les personnes, combien ça peut coûter. Pour les Arachines, j'aurais déjà le devoir de payer. Donc la Mishnah m'enseigne que, eh bien, lorsqu'il est parti, Réhouven, il a quitté le monde, c'est les enfants devront payer le dû au Beit HaMikdash, puisque le Cohen, il a déjà dit qu'il devra payer, même s'il n'a pas précisé de combien. Et même si aussi, Shimon, lui aussi, est mort, et qu'il ne vaut plus rien au moment où on va faire l'estimation, parce que l'estimation, elle ne dépend pas de combien vaut Shimon concrètement, mais elle dépend de la Torah qui a fixé que l'estimation, elle est fixée selon l'âge. À la différence du cas où, Damav Shelploni Alai, Réhouven a dit qu'il allait donner la valeur marchande de Shimon selon le marché des esclaves. Alors là, cette fois-ci, Met Hanoder Itnu Ayurshin. Si celui qui a prononcé le vœu va mourir, rien de grave, alors les Ayurshin, les héritiers, ils devront payer le prix que coûtera Shimon. C'est-à-dire, Réhouven, il a prononcé le vœu, il a dit, je vais faire le don de ce que vaut Shimon au marché des esclaves. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que Réhouven, de nouveau, il est parti devant le Beth Din, devant le Cohen, que le Cohen me dit, oui, c'est bon, alors tu es imposé de payer. On va, rendez-vous mardi prochain, on va faire l'estimation. Et d'ici mardi, ben, le pauvre Cohen, il est parti. Eh bien, dans ce cas-là, le Cohen va inviter les héritiers
à faire l'estimation de Shimon pour savoir combien est-ce qu'ils vont devoir payer des biens que Reuven leur a légués, leur a laissés. Ok ? Maintenant, si c'est Met Hanidar, si toutefois c'est le Nidar qui est mort, c'est l'objet du vœu qui est mort, c'est-à-dire c'est Shimon qui est mort, dans un cas pareil, Loit no Yoshin, les héritiers ne devront rien donner. Ouais, on parle en fait qu'il n'y a pas eu que Shimon qui est mort, et Reuven plus Shimon qui sont morts, en tout cas sont vivants même, les héritiers ne devront rien donner. Pourquoi ? Parce que En Dami on l'intime, Shen Dami on l'intime, car les morts n'ont pas de valeur. Pire que ça, j'avais vu, il y avait même un Tiferet qui est précisé. Ou peut-être un consortium Tov qui précisait qu'il y a même un interdit de tirer profit d'un mort, qu'on avait déjà évoqué d'ailleurs plus haut, qu'il y a un interdit de tirer profit d'un mort, donc un mort il vaut rien. Donc en fait, lorsque moi je dis que je vais donner la valeur de Shimon, mais la valeur marchande de Shimon, donc mon intention elle est de partir selon la valeur marchande que le Cohen va estimer. Si le Cohen, jusqu'à ce qu'il est venu, que je suis parti le voir, il dit oui, tu vas devoir payer, rendez-vous mardi, on va faire l'estimation de Shimon, et ce qui se passe c'est qu'après Shimon meurt d'ici là, eh bien je dois plus rien. Pour quelle raison? Parce que on va partir cette fois-ci selon le rendez-vous qu'on doit, où on a fixé qu'on allait faire l'estimation de Shimon. Or Shimon à ce moment-là il vaudra plus rien, donc je me suis engagé de payer ce que Shimon vaudra lorsqu'on estimera concrètement, et donc puisqu'il vaudra rien je devrais plus rien payer. D'accord, c'est le principe de la Mishnah, et c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaite que j'aurai plein de Hatzlacha Kol Tov. Salam.